vidéo, il faut qu'on mette les points sur les i. Messi, Ronaldo, c'est qui le meilleur joueur? Depuis que la World Cup a commencé, je vois des clips de partout de Ronaldo, c'est le meilleur joueur, que Messi, c'est le meilleur joueur. Alors, je suis pas un footeux de base, pas du tout. Mais c'est vrai qu'à chaque World Cup, j'ai une admiration pour ce sport. Et qui vient par la suite une admiration pour les meilleurs joueurs, comme Ronaldo et Messi. Dans cette vidéo, j'ai fait des recherches de malade pour comparer les deux joueurs. Ça va être une analyse, comme t'as jamais vu de ta vie. Déjà, j'espère que vous allez bien, les amis. Installez-vous bien. Et tout cela a commencé avec cette photo en collaboration avec Louis Vuitton, où on voit Messi et Ronaldo jouer aux échecs. Cette photo, c'est la plus likée tout Instagram. 40 millions de likes sur le compte Instagram de Cristiano Ronaldo, qui a dépassé il y a peu 500 millions de followers. 500 millions de followers. Déjà, si on compare les Instagram, Messi est à 382 millions. Bon, ça veut rien dire. Moi, je veux vraiment juger quel est le meilleur joueur. En étant, comme je le rappelle, un nouveau foot. Les palmarès de Lionel Messi. 4 fois Ligue des Champions gagnée. En ce moment, il est au PSG. Il a 35 ans. Ronaldo, 37 ans. Une Ligue des Champions en plus de gagner que Messi. En ce moment, le salaire de Messi est plus élevé. Il gagne 3,4 millions d'euros par mois. Cristiano Ronaldo gagne 1,4 millions d'euros par mois. Mais c'est parce que Messi est au PSG. D'ailleurs, le moment où je tourne cette vidéo, Cristiano Ronaldo n'a pas d'écurie. Je sais pas si ça se dit écurie, mais tu m'as compris. Mais Cristiano a reçu une offre pour rejoindre l'Arabie Saoudite pour 344 millions de dollars. Il a toujours pas donné sa réponse. Très certainement, il attend la fin de la World Cup. Et en parlant de World Cup, c'est la seule coupe qu'ils ont pas gagnée. C'est ce qui leur manque à leur palmarès. Bam. Alors, voyons voir. 2006. Ils avaient fini, ok, quart de finale, demi-finale. D'accord. Quart de finale, ronde de 16. 14, Brésil World Cup. Oh, Messi, il a terminé en finale. 2018, ronde de 16. Moi, à part voir des clips de temps en temps qui pop sur mes réseaux, il faut que je me fasse un vrai avis aujourd'hui. Pour cette World Cup, Ronaldo est la première personne à avoir marqué dans 5 World Cup différentes consécutives. The GOAT. Mais qu'est-ce que c'est réellement leur relation? Pendant 16 ans, ils se sont combattus. It's like a teammate. Comme un teammate qui respecte beaucoup. The best player you've ever seen. Probably yes. Ooh. Zidane, yes. Il a dit Zidane. C'est beau cette image, c'est incroyable. Allez, on passe aux compétences sur le terrain. Petit péno de Messi là, vas-y, bon, bois ton niveau. Oh là 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 là, tellement d'irrespect. Ok, propre, 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 propre. Ronaldo, c'est si pas. Incroyable. Si. Sa célébration est légendaire. Donc il les rend trop facilement Messi. Plein de techniques différentes en plus. Waouh, ça va trop vite. Wow, Ronaldo, c'est très fort aussi. Hein. Énormément de puissance. Et quand ils ont pas marqué le penalty, ça te donne quoi? Ok, ok. Bien joué au goal, hein. Oh non. Ah oui, alors là, par contre, il a quand même tiré au-dessus de la cage, quoi. Mais c'était durant la World Cup. C'est quoi, il a perdu la World Cup de la finale? Non. Oh non, qu'est-ce qu'il a fait, là? Il a fait un arrêt, mon gars. Ah ouais. Bon. C'est dur. Ronaldo, Ronaldo. Oh, au-dessus aussi. Ça peut même arriver au meilleur, c'est normal. Tu peux pas tout rentrer, quoi. Oh, la chatte, là, il a loupé son truc, sauf qu'il y a son poteau qui était à côté qui a réussi à marquer. Waouh. Oh. Mais non, mais ils ont pas fait ça. Regarde. Il a donné la balle à un de ses potes. Oh là là. Regarde. Mais non. Oh. Il a le droit de faire ça? Non, il a pas le droit de faire ça. Il a pas un carton jaune. Ah. Ah, après, il a marqué. Okay. On a vu les pénaux. On passe au dribble. Et je pense que Messi au-dessus. Ok, Messi qui a la balle. Hop là. Wow, premier pont. Hop là. Wow, wow. Mais non. Mec, il est passé des heures sur tout le monde tout seul. Personne n'arrête. Dinguerie. Messi qui retourne. Hop là, dribble. Hop, 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 hop. Il joue tout seul. Solo, 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 solo. Là, c'est impressionnant, frérot. Allez, on va voir. Pas mal, hein. Mal de ouf. Pouh, oh, le poteau, dommage, incroyable. J'ai besoin d'en voir plus du Cristiano là. Ah, c'est rapide, hein. C'est très rapide, hein, Cristiano. En fait, il est grand. Il se laisse pas faire tomber, quoi. Regarde-moi ça, le mec, il est tout seul. Il est tout seul. On passe à Messi. Trois défenseurs. Il passe les trois, il s'en fout, frérot. Il arrive même au quatrième, hop, il passe aussi. Et... pour moi, la Messi marque un point, frérot, là. Waouh. C'est pas fini, hein. C'est pas fini, regarde. C'est pas fini. Il est tout seul devant. Il n'y a aucun de ses camarades. Et il marque. Non, mais ses poteaux, ils sont même pas au courant de ce qu'il est en train de faire.
Waouh. Ok, Messi a un point pour le dribble. Large. Je passe à voir. C'est moi qui décide. Il a marqué 599 buts Messi au total de 2004 à 2022. Il a pris 68 cartons jaunes et un carton rouge. Et Cristiano, c'est 618 buts. Mais il a commencé un an avant Messi. Il a pris 100 cartons jaunes et 12 cartons rouges. Donc Cristiano, ça y va un peu plus quoi. Hein. En vrai, ils ont quasiment le même nombre de buts, mon gars. Leur top but maintenant sur les 600 buts qu'ils ont marqués. Top 3. Ok. Messi. Non. Waouh. C'est encore du dribble tout seul. Le mec, il a besoin de zéro coéquipier à chaque fois. Top 2. Okay. C'est, regarde, ses poteaux, ils attendent. Ils jouent même pas ses poteaux, frère. Le mec, là, le 19, il est en mode non, mais c'est Messi, je vais laisser tout seul. Et son top 1. Okay. Incroyable sa tête. Hein. Oh my god. Sur son top 3, j'ai été étonnamment surpris. Genre, ça m'a fait de l'effet, tu vois. Je me dis, waouh. Top 3 de Ronaldo. Oh oui, avec le pied en arrière. Punaise. Oh, de marquer de cette manière, mon gars. Et là, c'est quoi ça? 2m93, il a sauté pour taper la balle avec sa tête. Arrête. Waouh. Ah ouais, il a sauté. Waouh. Ok, attention. Oh, oh là ouais. Oh my god. Oh my god. Le meilleur coup franc de Ronaldo. Pouf. Bon. Le goal n'a même pas bougé, frérot. Dans la lucarne. Pouf. Incroyable comment le ballon il tourne. Incroyable. Ok, meilleur coup franc de Messi. Meilleur coup franc de Messi, ouais. Je suis en train de me rendre compte que c'est impossible de savoir qui c'est le meilleur. Puis tout à l'heure, je faisais dinguerie en fait. Voyons voir son palmarès. Ok, voilà, Ballon d'Or, la Liga. 2009, Ballon d'Or. Un soulier d'or. 2010, encore un Ballon d'Or. 2011, encore Ballon d'Or, Messi. 2012, Ballon d'Or aussi, Messi. Ballon d'Or 2015. 2019, Ballon d'Or. On va voir les ballons d'or de Cristiano. Golden Shoes déjà en 2007. 2008, ballon d'or pour Cristiano. 2013, ballon d'or aussi. Ok, ça en fait deux. 2014, ballon d'or aussi. Meilleur joueur d'Europe. Quand c'était pas Messi, c'était Ronaldo qui les avait. Meilleur joueur d'Europe, ballon d'or encore en 2016. 4. Mec, chaque année, il gagne les mêmes récompenses. 2017, encore ballon d'or. Ah, c'est quoi ça? Golden Foot. J'ai trouvé un article Ronaldo vs Messi qui est le meilleur joueur de football. Beaucoup de personnes se demandent qui est le meilleur joueur de football au 21e siècle. C'est pas une question facile. Les deux joueurs ayant des styles de jeu et des atouts différents. Ils ont aussi des parcours très différents. Oh, il fait la même taille que moi, Ronaldo. Pied fort droit, pied fort gauche. Total des buts en carrière. Ronaldo 817, Messi 784. Je sais pas si tu te rends compte comment c'est serré de fou malade. Même regardez, nombre de buts en club, 700-694. Frère. Même en Coupe du Monde, Ronaldo 7, Messi 6. Passes décisives, par contre, là, il y a une différence. Messi a fait beaucoup plus de passes décisives. Total de buts sur coup franc, 58-58. Ah! Regardez ça. Total de dribbles. Ronaldo 816, Messi 1880. Ça, je l'avais remarqué. Sur leurs meilleures actions, je trouvais que Messi, il avait un dribble, ça se voyait. C'était impressionnant. Au total, Ronaldo a eu 32 trophées et Messi 38. Plus de championnats, plus de coupes nationales. Ligue des champions, Ronaldo en a une en plus. Pareil pour la Coupe du Monde des clubs. Supercoupe UEFA, c'est Messi qu'on a en plus. Coupe d'Europe, Ronaldo en a un. Coupe América, c'est Messi. Nation League, c'est Ronaldo. Mais ils n'ont pas de Coupe du Monde. En étant sincère avec vous, j'ai l'impression que Messi est resté très longtemps dans le même club. C'était le meilleur club. Il y est resté quasiment toute sa carrière dedans. Il a changé depuis peu pour Paris Saint-Germain. Ronaldo, il a changé plusieurs fois de club. Et à chaque fois où il allait, il gagnait tout. Ce que je veux dire par là, c'est que Messi, il était un petit peu dans sa zone de confort. Enfin, je sais pas. C'est mon point de vue. Soulier d'or, Messi en a plus. Meilleur buteur, c'est Ronaldo. Meilleur buteur en championnat, c'est Messi. Il faut également ajouter que les statistiques ne peuvent pas tout prendre en compte également. On peut notamment penser à la construction du jeu, aux efforts défensifs ou au jeu sans ballon. Avec cette comparaison, je me rends compte que Messi est plus fort que Ronaldo. Je dirais que Ronaldo est le meilleur joueur du monde parce qu'il a brillé dans 3 des 5 plus grands championnats du monde. C'était ça que je disais. C'est que Ronaldo, lui, il a changé. Le football, il a changé. Malgré qu'il gagnait tout, il quittait, il allait voir ailleurs. Il devait tout recommencer et tout réapprendre avec une nouvelle équipe. Je pense qu'on peut pas les juger en termes de leur niveau, mais plutôt les juger en termes de préférence, en termes de personnalité peut-être. C'est comme si t'essayes de trouver le meilleur joueur entre Nadal et Federer. C'est compliqué. Je sais pas quand cette vidéo sortira. Quand je tourne cette vidéo, Ronaldo et Messi sont encore dans la Coupe du Monde du Qatar. Si on a un des deux qui remporte la Coupe du Monde, ce sera lui le meilleur. Personnellement, celui qui m'a le plus marqué dans le monde du football, c'est... Les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oublie pas, je suis vraiment pas un pro du foot. Moi, je voulais vraiment avoir un avis global, général. Mais j'ai hâte d'avoir ton avis. Est-ce que j'aurais loupé des choses? Parce qu'on aurait pu aussi parler de leur business. Ronaldo est beaucoup plus riche que Messi. Avec des OP qu'il a eu avec Nike. Messi, des OP qu'il a eu avec Adidas. J'ai même appris il y a pas longtemps que Messi, il a fait une sponsor avec PUBG Mobile. J'ai fait aussi une sponsor PUBG Mobile. Bon, c'est pas du tout le même délire, mais c'est rigolo à savoir. Je vous souhaite une magnifique World Cup. Que la France aille le plus loin possible, les refs. Et Mbappé, il est bien parti pour les rattraper. Clique juste ici pour voir une autre masterclass. Je te la conseille, c'est YouTube qui recommande cette vidéo. Alors clique. C'était une chaîne. Ciao bye. See you.
Thank you.